Le leadership féminin s'impose aujourd'hui comme un levier incontournable du développement, tant au plan local qu'international. Promouvoir le leadership féminin, telle est la mission de notre invitée pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Gloria Guissou-Cabri est lauréate de la 3e édition du concours Yenenga, initié par Canal+ Burkina, pour promouvoir justement le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Elle est également la fondatrice de l'association Ringo Club, qui se consacre à l'accompagnement des jeunes sportifs à travers des programmes novateurs. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de cette info. Un plaisir partagé d'être parmi vous. Alors, vous êtes lauréate de la 3e édition du concours Yenenga, initié donc par Canal+ Burkina. C'était, la finale a eu lieu en décembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix, finalement, de ce sacre? Alors, le concours Yenenga de l'année est un concours initié et propulsé par Canal+ Burkina et qui a pour objectif d'identifier, d'accompagner et de propulser et des talents féminins. D'accord. Qui ont de l'impact social sur la communauté, que ce soit en association ou en entreprise. Et le prix tel qu'il est, on ne s'inscrit pas au concours, ce sont des gens qui vous portent. D'accord. Parce qu'ils ont vu ce que vous faites. Et lorsqu'ils font l'appel à proposition générale, des gens proposent des noms de femmes qu'ils ont vues à l'œuvre et qu'ils voudraient voir sortir de l'ombre. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu 153 candidatures. Ils ont pris 2 mois à fouiller et à vérifier les propositions, à s'assurer que les chiffres donnés sont corrects. D'accord. Et lorsqu'ils vous contactent, c'est pour vous dire... vous avez été sélectionné pour la finale. Donc, lorsqu'ils m'ont contacté, ils avaient réussi à tenir uniquement 8 femmes parmi les 153 dossiers reçus. Alors, c'est certain que vous avez un parcours assez spécial. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une qui suit sa passion et qui donne un point d'honneur à faire les choses... de façon méthodique, structurée et qui aime quand les choses sont bien faites. D'accord. De base, côté sportif de base, je suis karatékate. J'ai 24 ans de karaté. J'ai commencé très tôt, initié par mon père. Et du côté, donc j'ai fait la haute compétition, ainsi de suite. Là, j'ai 54 médailles, une dizaine de coupes, ceinture noire 3e dan, chevalier de l'ordre du mérite. Du côté sport et études, j'ai un diplôme de licence en gestion et maîtrise de l'eau, un diplôme de master en gestion et maîtrise de l'eau, donc génie civil option gestion et maîtrise de l'eau, un master spécialisé fait en Égypte en sciences et technologies de l'eau, spécialité chimie, et j'exerce toujours en tant que consultante installation de laboratoire de traitement d'eau potable de chimie. J'ai travaillé dans plusieurs pays, dont le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Et je continue de consulter. Donc là, aujourd'hui, je ne suis plus dans la compétition en tant qu'athlète. J'y suis en tant que dirigeante, manager d'athlète. Et c'est un parcours qui... En tout cas, il est intéressant. Exactement. Et je disais tantôt, vous êtes fondatrice, vous l'avez mentionné tout à l'heure, de l'association Ringo Club. Finalement, qu'est-ce qu'il y a au menu de cette association? Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes sportifs? Alors, ce que nous faisons tient son sens dans le nom même de l'association, Ringo. D'accord. Ringo, de base, c'est anglais, et dans l'étymologie, ring, l'ère de combat des boxeurs, et go, aller. Donc, c'est allons au combat. D'accord. Allons arracher ce qui nous appartient, il ne faut pas attendre les choses. Et donc, à l'intérieur, c'est le message que nous disons aux athlètes. Dans nos différents programmes, on a 3. Le programme sport-études Ringo Bourse, où nous avons des partenaires éducatifs, on octroie des bourses d'études aux sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent allier sport et études et anticiper sur la reconversion après gloire. Okay. Le programme Ringo Star, où on propulse des talents déjà un peu champions ouest africains. Et le programme élite, où il faut être au moins champion d'Afrique pour entrer dans le programme, où on ne fait là que de la gestion de carrière. Là-bas, c'est du business, c'est du sport business. Et on a 3 athlètes à l'intérieur qui répondent aux critères avec lesquels nous travaillons.
Alors, ce que vous dites, c'est intéressant. Dans certains domaines d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, mais quand même, les femmes essaient tant bien que mal de se relever. Finalement, quelles qualités ou compétences pensez-vous qu'une femme doit avoir pour développer ou encore pour réussir son environnement entrepreneurial? Pour moi, il faudrait dans un premier temps avoir de l'audace. D'accord. Deuxièmement, de la discipline. Et troisièmement, travailler son moral à ce que les critiques ne vous atteignent pas. Prendre les critiques comme des conseils et avancer et trouver le moyen de contourner les obstacles. Pour moi, c'est une coïncidence que je sois une femme. J'aime à dire ça peut choquer plus d'un. Mais lorsque je suis dans le travail, j'oublie que j'en suis une. D'accord. Scientifiquement, un homme, peut finir une chose avant d'en faire une autre parce qu'il priorise les objectifs, mais une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Je vous vois Multitâche. sourire, c'est ce que vous dites tout le temps. Cette déclaration m'amène, je l'ai découverte sur YouTube Oui. lorsque vous étiez en train de tenir des propos. Et cette déclaration m'amène à savoir pourquoi le leadership féminin est tant important pour vous et comment vous encouragez finalement d'autres femmes à demeurer dans l'entrepreneuriat. Le leadership féminin est très important parce que nous faisons plus de la moitié de la terre et que nous avons un rôle à jouer. Nous devons contribuer à ce que les choses se passent de plus en plus bien. On peut revendiquer des droits, mais si nous ne sommes pas à côté, les hommes veulent bien nous aider, mais ils ne savent pas ce que nous voulons. Ils ne peuvent pas se mettre à notre place si ce n'est pas nous qui leur disons. Et dans ce sens, le leadership féminin veut que nous n'attendons pas qu'on vienne nous chercher pour des postes. Je prends l'exemple des fédérations et des associations sportives. Il ne faudrait pas que lorsqu'on cherche une femme, ce soit pour compléter une liste parce qu'on a dit que le quota, il Ça faut doit une être à cause femme de ses dedans. compétences. D'accord. Et si votre compétence, c'est de gérer l'argent, qu'on vous confie la trésorerie. Mais si ce n'est pas vos compétences, qu'on ne vous oblige pas à être trésorier d'une En association. effet. Si vos compétences sont de manager, qu'on vous gère, on vous confie un poste de management. Si votre rôle, c'est des partenariats, qu'on vous confie des postes de business. Il ne faut pas que les postes de trésorerie. Soit des postes de remerciement. Alors, Exactement. et ces compétences-là, vous les mettez en valeur au sein de votre association. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi l'impact sur les jeunes Burkinabés de votre association? L'impact dans le premier rayon à court terme, c'est au bénéfice de l'athlète qui va se sentir accompagné et se dire qu'au-delà de sa famille, d'autres personnes croient en lui et qu'il a obtenu une bourse, une école est prête à l'accompagner à apprendre des compétences et ça soulage les dépenses de la famille. En Les effet. parents ne vont pas avoir à payer et ça mobilise le soutien des parents qui se disent, enfin, ça a l'air de commencer à payer D'accord. parce que je ressens ça dans mon portefeuille. Alors, vous soutenez ces jeunes-là. Oui. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi les résultats? Est-ce qu'il y a des résultats que vous avez déjà Il y a obtenus? des résultats. La première année, par exemple, pour les bourses, on a commencé avec une boursière. La deuxième année, 3. D'accord. L'année dernière, 19. OK. Non, l'année surpassée, 19. L'année 2023, 60. Et cette année, nous espérons passer le cap des 100. Et ça a un impact considérable parce que ça maintient les enfants dans une occupation. Notre pays est en proie à l'insécurité, c'est moins de candidats pour les En terroristes. effet. Donc, et ça contribue également à vendre l'image positive du Burkina. On en a besoin. Il faut pas que chaque fois qu'on parle du Burkina, ce soit pour parler d'attaques terroristes. Et je pense que le sport est un excellent moyen de communiquer positivement sur nos pays africains. On ne mesure pas à quel point le sport peut être un outil formidable de communication. À vous entendre parler, on comprend aisément que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter maintenant. Oui. Je m'en vais vous demander, c'est quoi les projets futurs pour le Ringo Club et comment comptez-vous élargir vos actions au niveau international? À cette question, mon cerveau bouillonne parce qu'on a tellement de grands projets. D'accord. Là, à côté, nous allons organiser un grand gala de boxe internationale où Au nous niveau du allons réunir Burkina? au niveau du Burkina. On va remplir le palais des sports de Ouagadougou, 5 500 places. Nous attendons 6 pays, dont la Côte d'Ivoire. OK. Et
Ça, c'est à court terme. Ce gala qui s'appelle Fight for Peace, combattre pour la paix, s'inscrit même dans la nécessité de l'actualité, de rassembler les Burkinabés et leur pays ami autour d'une unité pour tendre de plus en plus vers la cohésion sociale et ramener rapidement la paix. Et Fight for Peace va pouvoir mettre en avant des talents. L'Ivoirien qui viendra représentera la Côte d'Ivoire et avec l'espoir qu'il gagne, on communiquera sur lui et ça peut lui ouvrir davantage de Combien de portes. talents vous attendez 10, à ces dîners-là? oui, 10 boxeurs professionnels, D'accord. dont un combat féminin, j'y tiens. Et donc, c'est tous des boxeurs professionnels qui seront à l'affiche. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Finalement, c'est la dernière question que je vais poser. Comment Oui. vous envisagez l'évolution du leadership féminin au Burkina Faso dans les 5 ou 10 prochaines années? À l'état actuel, l'état des lieux est très encourageant. D'accord. On a vraiment beaucoup de femmes qui émergent. La directrice générale des sports du Burkina Faso aussi est une femme. Donc, c'est comme je dis, de plus en plus, on n'attend pas qu'on nous appelle pour des postes. On revendique notre rôle parce que nous avons des compétences. En effet. Et nous avons beaucoup de dames, toutes celles qui étaient avec moi en finale, mais j'avais aussi du souci à me faire parce qu'elles ont toutes un bon Elles parcours. sont également compétentes. Oui, je leur lance d'ailleurs un coucou. Et toutes ces femmes-là, elles sont plusieurs, hein. Le visage du Burkina sera sans doute changé dans les 5 ans à venir. Merci à Gloria Guissou-Cabré. Je rappelle que vous êtes lauréate de la 3e édition du concours Yenenga, initié par Canal+ Burkina. Avec vous, nous avons parlé de leadership féminin et ça a été un réel plaisir de nous entretenir avec vous. Et moi donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce numéro de C'est-à-dire est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.